ben non, mais dites donc, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Il faut sortir la voiture quand il fait beau. Très bien, vous venez d'où? De Lyon. Très bien, c'est... Depuis combien de temps vous faites la traversée? C'est la première. FGB de 68, modèle américain, avec trois glaces, et qu'on a fait repeindre il y a 2 mois à peu près. Quel plaisir de faire rouler les anciennes. Un grand bonheur. Ah, un grand bonheur. C'est du bonheur. Bon, c'est le plaisir de se retrouver un peu en ancienne et un peu en groupe. C'est un événement qui rassemble plus de 500 voitures. C'est donc un événement relativement rare dans notre pays. C'est une passion. Quand il y a des rassemblements, ben, je ne les rate pas. Rue Cotin à gauche. On vient de l'Ain. De l'Ain, pas très très loin. Et ben parce qu'on aime bien les vieilles trapanales, nous, c'est notre truc. C'est convivial, c'est sympathique, c'est bon enfant. On va passer par Vez. Vous connaissez la route? Non, pas du tout. Au petit bonheur? Pas du tout. On a un roadbook. Je pense qu'on a un roadbook et on va suivre le roadbook. Là, on va se diriger direction Vez. Bah, c'est un Morgan Tourer caisse étroite, modèle 1936, fabriqué à l'usine Morgan en 71. Moteur Ford Kent 1600, 4 cylindres, 8 soupapes. Particularité, je suis le tableau de bord en inox bouchonné. C'est rare, c'était compliqué à faire. Voilà. Le contraste entre le moderne et l'ancien, c'est ça, hein? Ouais. Oh bah, pour s'amuser. Bon plaisir pour s'amuser. Et puis voilà. À gauche. C'est un véhicule de 1973, marque Triumph, c'est une anglaise. Bah au moins ça roule, on voit toutes les voitures qui roulent et puis on est nombreux. C'est à l'arrivée que vous allez partager vos émotions? Tout à fait. Les échos que j'en ai maintenant au retour, bah ma foi, tout s'est bien passé. Il y en a quand même quelques-uns qui ont un peu jardiné, comme on dit. Oui. Il fallait bien que ça mette un peu de piment dans l'affaire. Allez mes mères. On a quand même un 900 cm3 hein, comme moteur. Hein. M'est arrivé de voir le propriétaire d'une vieille Ferrari admirer une vieille 4 chevaux et inversement. Vous voyez, c'est notre passion. Quand bois sous les tonnelles, on va aller l'ouvrir. Quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Alors moi je me rappelle quand même que quand je faisais la fête de l'humanité, à la Courneuve, à Paris, quand même. Avec Liliane, nous sommes montés dans une ronde. La Simca de l'époque, c'était quand même un véhicule qui était quand même excellemment bien conçu pour rouler comme il faut. Même Mitran, il n'avait pas la Simca. Lui, il roulait encore dans le 403. Et la Peugeot, la il était encore... Ah, la DS, elle est arrivée un petit peu après. Un vrai petit short Karmann. Gia de 1974. Et on met le clignotant. Le roadbook qui me dit quoi? Je vais aller rue Sergent Michel Berthet. C'est possible. Aux mêmes couleurs que la voiture. J'ai essayé hein, d'être dans la teinte. Hein. Presque. J'ai essayé. Découvrir un peu les monuments, faire participer un peu la population. Voilà Fourvière. Oui. Comment se fait-il que toutes les Anglaises anciennes perdent de l'huile? C'est un petit peu congénital, elles sont toutes avec des joints qui étaient soit pas de bonne qualité, soit des conceptions qui faisaient qu'elles avaient toujours tendance à perdre un petit peu d'huile. Mais c'est vrai que les Anglaises sont très touchées par ce problème, mais il y a aussi beaucoup de... La plupart des vieilles voitures perdent de l'huile. C'est historique, on en a entendu parler, et on avait envie de le faire depuis longtemps avec mon ami Jean-Jacques. Donc on en a profité aujourd'hui qu'il faisait beau. Dans le milieu du véhicule d'époque, il y a énormément de rassemblements statiques. Et moi, ça ne me passionne pas vraiment parce qu'on pose notre voiture à 9h du matin et on attend que les heures défilent et on attend jusqu'à midi. Mmh.
parce qu'on l'a fait l'année dernière, qu'on a beaucoup aimé. C'est super. Et puis ma mère va nous emmener jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Il y a un engouement qui est de plus en plus fort pour la voiture ancienne. Quand El Kabach est arrivé, moi j'étais avec Liliane, nous on roulait dans la Simca. On avait la découvrable, la Monaco, vraiment le véhicule que nous sommes dedans actuellement. Voilà. Moi je préfère de loin des rassemblements où on roule. Donc ça permet de se trouver d'abord le matin, de prendre un café ensemble. Parce que j'adore toutes les voitures et encore plus les vieilles quoi. J'aimerais bien m'en payer une vieille aussi maintenant quoi. Tout à fait, made in France, Renault 1933, carrossée d'origine en boulangère, en utilitaire. Je sais qu'elle avait été restaurée par quelqu'un qui l'a récupérée dans un champ où elle servait de poulailler. Alors il y a une bonne vingtaine d'années de ça qu'elle avait été récupérée, restaurée. Je me souviens avec... Oh, quel souvenir! 14 ans à l'Élysée, nous avions des belles voitures. Sans histoire d'engagement, sans histoire de systématiquement d'inscription préalable, oui. D'argent, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est une belle dotage de 1980. Et puis voilà, on décapote, on est content, il y a le soleil. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Si on vient à Lyon, il faut passer par Fourvière. C'est un incontournable. Allez, bonne route. Merci.